Je vous propose de continuer sur un petit jeu Mega Drive. Je m'excuse d'avance, je ne sais plus qui me l'a présenté ce jeu. Peut-être que vous le connaissez. Ce jeu s'appelle Project MD. Je le connaissais absolument pas. C'est, a priori, c'est pas nouveau. C'est un homebrew. Javier De Girolmo. Ah ben, il a tout fait. Les graphismes, le character design, les sound effects. Ah non, la musique a été faite par Eric Voirin. On va faire un start. Alors là, il y a plein de niveaux. Alors, je vais essayer le premier déjà. L'Infinite Field. On contrôle, je crois, une jeune demoiselle qui peut que sauter, a priori. Et qui, je pense... est-ce qu'on peut sauter sur la tête des adversaires? Oui. Graphiquement, c'est très bizarre, mais les effets sont vraiment pas mal avec cet effet de profondeur. Hop là. Bam! Alors là, il y a la grenade à récupérer, mais... je sais pas à quoi elle sert pour l'instant, parce que je crois que j'ai jamais été très loin. Par exemple, il y a ce monstre à la con, là, qui va me... ouais, je passe. Incroyable. Ah ! Et voilà. Donc j'avais une bombe, mais je sais pas à quoi elle sert. C'est chaud, le saut, il est lunaire, et je regarde, mais si on arrive à le moduler, mais pas vraiment, quoi. Le minimum est déjà très haut. Je peux pas aller là, non, de toute façon. Faut que je passe en dessous de ce petit hélicoptère. Je le connais absolument pas, ce homebrew. Je n'ai jamais entendu parler. Alors, est-ce que je dois... ah ouais, ouais, ça pique. Oui, mademoiselle, ça pique. Ça pique les fesses. Wow, 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 eh ouais. Merde, je m'y attendais pas à celle-là. C'est vrai que le sol, là, j'avais pas fait gaffe. Il y a même un effet miroir sur le sol, exact. C'est plutôt bien fait, hein. Et là... ça va être un continu, enfin un checkpoint, pardon, CP comme checkpoint. Eh ouais, mais là, j'aurais dû passer sur le dessus, mais de toute façon, c'est pas grave, j'ai mon énergie à fond. Donc je vais pas pleurer. Ah, par contre, il y avait un one-up. Je vois pas comment j'aurais pu pouvoir le faire pour l'avoir. Est-ce qu'à la Mario, on peut passer au-dessus? Hop là! Non, que dalle. Hotzub. À mon avis, on peut pas les avoir. Ouais, c'est ça. On se fait découper en rondelles. Non, les niveaux sont vachement longs. Enfin, graphiquement, ça me fait un peu penser au jeu Amiga de l'époque. Hein. Il doit y avoir un truc que je dois louper, par contre. Parce que... tu vas voir que c'est là que j'aurais dû poser la bombe pour changer le niveau. Ah, je vais récupérer le cœur. Putain, c'est super long, ce niveau. C'est de la folie. Les jeux de plateforme, ils sont moins longs que le premier niveau. Il doit y avoir des subtilités que je maîtrise pas. Et... ah, merde, Oum. Je sais pas à quoi servent les bombes, de toute façon. Ah, bah coucou Eric, bah oui, on rentre en concurrence entre guillemets sur les lives, c'est vrai, qu'Eric fait son live vendredi soir, enfin en concurrence. Je vais pas lui piquer grand monde. Oh, voilà l'intérieur d'un ordinateur ou d'une console. Bon, côté ennemi, ça change pas beaucoup, voilà. Ah merde, pardon. Ah, c'est bien fait. Bon là, c'est... plus simple que j'ai l'impression que c'est un peu plus simple que le premier niveau. C'est à ce moment-là que bien sûr je vais trouver dans une merde. Qu'est-ce que je disais? Quel talent! Mais quel talent, ce Michel! Mais quel talent! Bah, je vais reprendre. Je vais faire au troisième. Quelle synchronicité! Ah, ça devient touchy, hein! Au niveau level design, c'est pas mal, hein! Bon, là, je suis mauvais, quoi, mais à part ça. Bon, va falloir que je passe à un moment ou à un autre, quoi. Je vais attendre de clignoter, quoi. Parce que sinon, ça va pas le faire. Et je passe quand? Maintenant. Voilà. Là, je vais juste... hop, voilà. C'est chaud, ouais. Là, je suis synchro avec lui. Il faut attendre que je fasse un coup des synchro. Ouf. Ça passe, là. Je dois avoir l'air con à... chaque fois que je saute, me jeter en arrière de mon siège. Ah, j'ai loupé le bouton. C'est vrai, en plus. J'ai pas appuyé sur le bouton comme un con. Ah, merde. Bah ouais, mais si j'avais su ça avant. Ah bah ouais, mais ça change tout. C'est beaucoup plus simple. Ah oui, ça simplifie un peu le truc, effectivement. Ah ouais, merde. Comment je fais pour choper? Je ne sais pas. Ah, merde. Je me suis cogné la tête. Ah, si on peut tout péter, c'est un peu plus simple, quand même, en fait. D'accord, bon la prochaine fois je le saurai. Tiens, boum. Allez, la rondelle de citron. Là. Paf. Par en haut? Par en haut? Mais comment je fais pour aller par en haut?
Ah, il est trop gentil, Eric. Merde, je lis le chat, je me fais avoir. Mais j'ai déjà eu un ST, hein, le... Et j'ai essayé quelques trucs. J'ai un émulateur Atari ST qui marche pas mal sur Dreamcast. Et oh, c'est joli. Ah, on change le monstre. Et je joue très souvent, Rainbow Island, je crois, Pong, enfin, toutes ces adaptations d'arcade qui sont vraiment bien sur Atari ST. Bon, elles sont bien aussi sur Amiga, mais elles sont bien sur Atari ST aussi. Oh putain, et je les vois pas ces trucs, je suis aveugle ou quoi? Ah, ils sont là, d'accord. Par transparence. Bon, on va pas se lancer dans une petite guéguerre Atari ST Amiga. Ah, c'est Zelda ou Link qui remplace Mario? Oh non, c'est juste une... Je sais pas, une nénette qui est prête à sortir en soirée. Je sais pas ce qu'elle fout dans ces univers un peu bizarres. Et j'apprends pas de mes erreurs, moi. Et je... Ah, merde! Putain, c'est dur! Ouais. Alors... Ah non! Ça va pas recommencer! Allez, je dégage ça. Ça passe. Ça va, les... Ah, j'allais dire ça va, les plateformes s'effondrent pas. Tu ferais mieux de fermer ta gueule, Michel. Les plateformes, elles s'effondrent. Torcher en une nuit? Ouais, ça me paraît faisable. Enfin, je veux dire, pour mon niveau, c'est peut-être faisable. Si je fais pas le con, si je me concentre, ça doit être juste... Si je fais pas ça, quoi, ça doit être faisable. Bon, c'était quoi comme niveau j'ai testé? Frozen Memories. Putain, il y en a plein, ouais. On va essayer, on va... On va aller regarder vite fait, ouais. Oh, putain. Pardon. C'est joli. C'est tout mignon. Ah, des bumpers! Mais c'est plein d'idées, ce jeu. Pourquoi j'en ai jamais entendu parler? Disons que ça... Ah, putain, je suis trop nul. J'y arrive pas. Ah, c'est pas grave. On va regarder un petit peu les niveaux proposés, comme ça. On a la moitié. Pixelated World. Oh! Alors, NTSC, on est rapide et pas long RAM, c'est ça? Et c'est pas mal, ils ont fait un... Du scanline et... Ah, putain, c'est dur! C'est chaud! Ah ouais! C'est excellent! C'est comme de la flotte en fait. Ah ok! Et là faut pas que je tombe dans le vide. Okay, ça me fait penser à quel jeu j'ai joué il y a pas longtemps, ça. Je ne sais plus. Ah c'est du classique, mais c'est pas mal. Ah putain, c'est dur! Ah mais merde! Voilà. Ouais, bon, allez, laisse tomber. Par contre, je vais faire comme ça. Alors, c'est là qu'il faut pas se planter. Je vais crever tout à l'heure comme une merde. Ok. On a de la marge avant de tomber dans le vide. Voilà. Ça passe. Petit truc électrique. Quel jeu j'ai joué? Ah mais non! Hop là. Ici. Putain, il se fout de ma gueule. Je lui saute, il se retourne juste pile poil au moment où je lui saute sur la tête. Non mais... C'est pas des manières. Ouah, c'est de la merde. Pardon, je suis trop mauvais. Non allez, je fais une dernière partie. Qu'est-ce qu'on peut essayer? Water Lava? Binary Fury. C'est quoi les Fury? Les Fury, c'est des choses poilues. Oh! C'est quoi ça? C'est un boss! Eh ben, j'ai bien fait d'essayer. Mais comment je fais pour l'avoir? Eh ben, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'elle me fait? Qu'est-ce que tu me fais, petite? Tu me touches pas, je te touche pas. Ah! Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je peux pas traverser. Je peux peut-être avancer. Non, je peux pas avancer. Ben, Podzob. Aucune idée. Bon. Est-ce que j'ai une ROM non terminée? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut pas aller directement? Il faut passer niveau après niveau. Je ne saurais pas dire. Pour ceux que ça intéresse, donc ça s'appelle Project MD sur Mega Drive. J'ai pas le lien là sous les yeux.
Je le mettrai dans la description de la rediff.